La Fédération ivoirienne de football continue sa tournée de présentation du trophée de la CAN aux différentes couches et institutions de la société. Ce trophée de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté officiellement à toute l'équipe du comité d'organisation de cette CAN, COCAN, à son siège situé à Marcoury. Au nom de son institution, le premier responsable a exprimé sa gratitude à Dieu pour cette victoire. On peut célébrer la parfaite organisation. Mais ce dont on parlera pendant longtemps, c'est cette unité, cette cohésion, cette Côte d'Ivoire rassemblée, cette Côte d'Ivoire unie pour pousser son équipe à la victoire. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut réaliser cela. Pour sa part, le vice-président du comité d'organisation et président de la FIF a félicité tout le personnel du COCAN pour avoir réussi l'organisation de cette compétition. Vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle et j'invite tous les jeunes gens là, du COCAN, toutes ces personnes qui individuellement et collectivement ont participé au succès de cette compétition et qui donc individuellement et collectivement sont les propriétaires du trophée qui est là, parce que ce trophée là c'est votre travail. Pour rappel, l'organisation de cette CAN a été confiée à la Côte d'Ivoire et ce trophée a été remporté face aux Super Eagles du Nigeria le 11 février dernier.